Yes. Cette fois, je vous propose une vidéo sur le Jerk Mino. Yes. On verra quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser, et tous les scénarios sur lesquels, justement, ce leurre est incontournable. Yes. Là, c'est bon ça. On verra surtout plein d'attaques, parce que c'est un leurre qui fait réagir les poissons et qui permet justement des attaques spectaculaires. C'est un leurre vraiment absolument incontournable, surtout sur un début de saison. Le jerk minnow, du coup, c'est un leurre effilé qu'on retrouve dans les trois types, flottant, suspending ou coulant. Moi, personnellement, j'utilise exclusivement les versions suspending, comme ici le Max Quad 128, qui est un de mes fétiches. Et du coup, comme son nom l'indique, c'est un leurre qu'on va jerker. Donc du coup, on va donner des coups de sion, canne basse, et on va lui imprimer une nage un petit peu type walking the dog, mais sous l'eau, des jerks en fait. Et le côté très intéressant de ce leurre, c'est qu'il va falloir profiter de la pause. Lorsque vous faites une pause, le leurre il va être suspendu et il va frémir un tout petit peu à moindre sollicitation. C'est souvent une situation qui va déclencher l'attaque. Et vous allez voir sur toutes les séquences, j'utilise énormément, notamment quand j'ai vu un poisson, que j'ai raté un poisson, lui présenter ce leurre. Et au moment où le poisson suit le leurre, il faut opportunément faire une pause au bon moment pour justement l'inciter à l'attaquer. Tu l'as vu lui là? Il est chaud là. C'est lui. C'est mon copain. Yes! C'est pas belle celle-là. C'est pratiquement irrésistible sur cette phase de pause. Une des situations dans lesquelles j'aime bien l'utiliser, c'est faire les abords des obstacles. Avec son côté suspending, on va se permettre de faire des pauses aux endroits où on est le plus susceptible d'avoir un brochet qui est embusqué. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on va minutieusement faire tous les abords d'un poste, droite, gauche, tourner autour d'un arbre mort. Et lorsque vous êtes dans une zone qui vous paraît bonne pour pouvoir justement tenir un poisson, surtout ne pas hésiter à faire une pause, peut-être un peu plus longue, et ça peut décider justement un poisson à sortir et à taper le leurre. Moi j'ai plus là. Yes! Wow, c'était beau! Oh, c'est bon ça! Putain, un bon lancer, et voilà. Et c'est un beau poisson. Bien fait. Yes. Ça, c'est un beau poisson. Une autre situation dans laquelle j'aime bien utiliser ce leurre, notamment sur le début de saison, c'est de pêcher en lancer ramené. Ça permet de prospecter de grandes zones et de pêcher la pleine eau. Donc c'est très très intéressant. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un leurre qu'on jerk uniquement. C'est un leurre qui est très très bon en lancer ramené. Donc du coup, vous le lancez, utilisez une canne speeding pour pouvoir le lancer le plus loin possible et vous ramenez. Des fois, il faut ramener très 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 vite et ça déclenche des attaques fulgurantes. Et parfois, c'est vraiment une manière de l'animer qui est à 100% efficace par rapport justement à une animation plus classique avec des jerks. Donc, yes. Oh. Oh putain, c'est bon. Donc moi, en général, quand je commence une partie de pêche et que je sens que ça va être le bon moment pour pouvoir utiliser ce leurre, donc notamment en début de saison,
eh bien, je ne vais pas hésiter à commencer en faisant du lancer ramené. Et lorsque vous tombez sur le jour où ils veulent de cette animation, ça va vous permettre de prospecter énormément et déclencher énormément de poissons. L'autre situation en plein eau, c'est encore une fois de jerker et de faire des pauses. L'hiver, c'est un leurre qui est très très intéressant aussi. Et là, plus l'eau est froide, plus il faudra faire des pauses qui sont longues. Vous pouvez même le laisser presque 30 secondes, et notamment lorsque vous pêchez avec une télécommande comme ça, lorsque vous faites des changements de direction, et ben laissez votre leurre dans l'eau. En fait, des fois, on fait des pauses de 30 secondes, et au moment de reprendre le contact avec le leurre, en fait, le poisson, il faut s'imaginer qu'il était collé au leurre, il le voyait presque ne pas bouger, et donc au moment où le leurre recommence à avancer, c'est là qu'en général on a l'attaque. Donc c'est surprenant parce que ça fait longtemps qu'on est sur une pause, et dès qu'on reprend le contact, boum, on a l'attaque. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est un leurre qui va être aussi très intéressant pour sélectionner les grosses perches. Donc dans les plans d'eau où il y a beaucoup de perches, vous pouvez le sortir justement. Alors vous tomberez aussi sur des brochets. Donc du coup, n'hésitez pas surtout à mettre un bas de ligne en fluorocarbone, à peu près de 20 cm, pour pouvoir protéger le leurre. Donc moi, j'utilise un 65 centièmes, 63 centièmes en fluorocarbone, ce qui est suffisant la plupart du temps dans mes cas de pêche pour pouvoir bien équilibrer le leurre, donc pas trop le gêner justement dans sa nage, et ça me permet parfaitement de résister aux dents du brochet. Donc du coup, pour la perche, pareil, les mêmes animations, on va dire que les attaques sont un petit peu moins franches, un petit peu moins agressives. Si vous avez des très grosses perches, le Maxwell 128, il est vraiment top. Mais par contre, moi, souvent, je préfère les tailles inférieures, le 65 et le 95, qui vont permettre, on va dire, de moins rater de poissons à l'attaque que sur un 128 qui reste quand même, même pour une grosse perche, une bouchée qui est relativement grosse. Mais bon, si vous avez une perche de près de 50, croyez-moi qu'il n'y a pas de souci. Elle le prendra très très bien, et en général, elle sera piquée. Ah.
Regardez ça! Oh, elle est énorme! Oh, la perche de ouf! Oh, te décroche pas! Te décroche pas! Te décroche pas! Yes! Putain! Yes! Yes! Fait 50 celle-là! Celle-là fait 50! Celle-là fait 50! C'est sûr! Yes! Max Squad 128! Oh là 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 là! Super poisson! Oh là là, je l'ai vu, elle a vu! Génial. Quelle journée. Oh, comment elle est belle. Ouais, j'ai pas envie de la faire partir tout de suite, c'est trop beau quoi. Oh là là. Oh, yes. Au niveau des leurres que j'utilise essentiellement le Max Squad 128 qui est de loin mon jerk minnow préféré. Il y a aussi le Re-Range 130 qui est très intéressant aussi, qui est un bon complément, qui va nager un petit peu moins creux que le Max Squad 128 et qui va se lancer un tout petit peu mieux, mais globalement on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques sur ces deux leurres. Donc il y en a qui préfèrent pêcher avec le Re-Range, d'autres qui préfèrent pêcher au Max Squad 128, et l'autre leurre en taille un petit peu plus petite qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le Max Squad 128, c'est le Squad Minnow 95. Qui lui va être intéressant quand les poissons sont plutôt sur des proies petites, ou si je vois que j'ai loupé des poissons parce qu'ils hésitent à attaquer le grand, souvent ça peut être intéressant de descendre à une taille de 95 et voire descendre sur une taille encore plus petite, du coup qui est le jerk minnow, le squad minnow pardon, 65. Et donc du coup vous avez avec ça des panoplies de taille qui vont vous permettre d'attaquer à peu près toutes les situations. Moi, dans 80% des cas, j'utilise le Max Squad en taille 128, donc pratiquement 13 cm. Là du coup, ce sont des leurres de chez Ilex. Je sais qu'il y a un autre leurre qui marche très bien, que j'utilisais dans le temps, c'était le Bifreeze, qui est un leurre de chez Lucky Craft, qui est lui aussi un bon jerk minnow avec les mêmes propriétés, suspending. Après, il y a plein d'autres marques qui doivent proposer aussi des leurres intéressants en jerk minnow. J'ai pas eu l'opportunité de les utiliser. Moi, je me contente d'utiliser ceux-là, et notamment le Max Squad 128, qui est vraiment pour moi un de mes leurres fétiches. Il a pris énormément de poissons, que ce soit en exotique, sur du peacock bass, sur des carangues, sur plein de poissons. Toujours cette propriété d'être jerké, avec en plus les billes qu'il a à l'intérieur. Cette sonorité particulière, je pense que ça doit plaire aux poissons. J'ai fait vraiment énormément de poissons avec, c'est pour moi un de mes leurres fétiches. Yes! Ouh, bah! Oh, le saut de malade! Oh, il est énorme! Yeah.
Maintenant, je vous laisse avec quelques petites séquences vidéo. Yes! C'est joli. Wow, putain, ça m'a fait une touche là. Putain, c'est un beau poisson, hein. Oh là! Putain, c'est un très beau poisson. Oh. Ouh, c'est un très très beau pike. Très très joli pike. Oh là 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 là. Très très joli pike. Oh là. Oh là. Oh, il est beau. Et après, il prend un peu sur la tête. Ah. Ouais, jolie biche. Pike.